Sur un titre, ça va les aider à faire le deuil de la fin de carrière, je peux vous l'assurer, de finir sur un bouclier de bonus sur la cheminée, donc ça va leur faire du bien, c'est mérité pour ce Montpellierain, tout simplement. Quoi. On va profiter évidemment de tous ces instants, mais on va aller voir Hélène parce que ouais. On va aussi... Avec un capitaine forcément déçu, Mathieu, il y a de la déception, mais ce soir vous avez percuté contre un mur. Ouais, on a percuté contre un mur. D'abord, j'aimerais qu'on commence par les féliciter, parce qu'ils ont fait un gros match, ils ont été pragmatiques, ils ont été costauds défensivement, ils ont marqué quand il le fallait, donc félicitations à eux, c'est hérité ce soir. Derrière, on s'accroche, mais c'est trop difficile. Mais... Ouais, en demi, vous aviez des forces d'abnégation, mais là, c'était trop, vous avez perdu Benjamin de Rodapileta aussi très tôt ce soir. Ouais, c'est pas l'excuse, on est sportif de haut niveau.
Tout le monde est prêt à switcher n'importe quel boss. On a des mecs sur le banc qui sont frais et qui sont là pour apporter. Ça a marché toute la saison, donc on va pas cracher dans la soupe ce soir. Hein, pas du tout, ça ne ressemble pas. Je suis aussi très fier du groupe. Je tiens à le dire, parce qu'on fait une saison qui est incroyable pour le club, même si ce soir, à la fin, il va tout en humilité, 4 finales quand même sur les 9 dernières années. On peut rendre hommage à cette équipe Castres qui est tombée ce soir sur une équipe infranchissable de Montpellier qui célèbre maintenant avec ses partenaires. L'histoire est belle aussi pour le jeune Garbisi, l'Italien, sacré champion de France ce soir, élu Anthony Boutier qui a été immense, qui est récompensé aussi pour une saison pleine, 26 titularisations. L'équipe est aujourd'hui, pour la montrer à tout le monde, c'est pas putain incroyable. J'ai pas trop les mots pour te dire, je réalise pas trop. Mais je suis tout entier du club, tout entier de ces gars-là. Et de finir comme ça en partant, c'est le grand, quoi. C'est le grand. Je vais partir avec des hommes que j'aime. Ça va être dur, mais voilà, je vais savourer, on va savourer parce qu'on a beaucoup travaillé, on le mérite. On le mérite. Oui, Cédric. Chose pas mal. Voilà, c'est des grands champions, la Coupe le premier. Sincèrement, c'est une putain d'équipe. Hein. Il y a 17 mois, on était 13e championnat. Et en 17 mois, on a gagné 2 titres. Donc c'est une brave putain d'équipe. Est-ce que vous ressentez, vous, ce soir? Ah, moi, je suis fier parce que j'ai mon père à côté. J'ai vu Jean-Pierre, votre papa, qui est juste à côté. Ouais, je suis fier de ça. J'ai mon fils. J'ai mon grand qui me regarde à la maison. J'embrasse ma maman. Et moi, je suis très content. Allez, il va vous parler de rugby, il a envie de parler de rugby. Devant le titre de Montpellier. D'ailleurs, on a vu ce que tu m'as dit, mais vous voyez bien, c'est une tradition de famille. On a failli des deux côtés d'ailleurs. Et communier avec vos copains, j'imagine, votre famille ici. Qu'est-ce que ça fait d'être capitaine champion de France ici ce soir à Saint-Denis? Franchement, il y a plein d'émotions, même moi, je n'arrive pas à y croire. On sent beaucoup d'humilité, bien sûr, dans les mots des joueurs et du staff, parce qu'ils savent quand où ils sont passés il y a 17 mois, ils savent dans quelle position ils étaient et dans quel niveau ils évoluaient surtout. Et depuis, ils ont remis les choses dans l'ordre et soulevé ce bouclier maintenant. C'est tout simplement... France, Montpellier succède au Stade Toulousain. Montpellier touche du bois après 2 finales perdues en 2011 et 2018. Montpellier, sacré champion de France. 2022, il est long à venir, il est long à aller chercher. Et il est lourd aussi. Et il est lourd, il faut batailler, ferrailler toute la saison pour avoir ce privilège. Il y a un tas de joueurs immenses qui n'ont jamais eu cette chance, Dimitri, d'aller chercher un bouclier de Vénus, d'être sacré champion de France. Il faut savourer, profiter de chaque instant. Il est là, le bouclier, et ils vont pouvoir le brandir. Montpellier, champion de France, 2022. Quand on est enfant et qu'on voit ce bouclier de Brennus à se soulever, c'est presque inavantable, c'est presque un rêve. Forcément, on voit des doigts d'enfant, on voit des larmes, on voit certains même qui sont un peu ébahis, qui ne réalisent pas vraiment. Mais je crois que demain, dès qu'ils vont repartir à Montpellier, là, ils vont prendre vraiment conscience de l'ampleur de soulever ce trophée qui est exceptionnel et qui procure beaucoup d'émotions. Hey, ils vont être accueillis, vous le voyez, à la place de la Comédie. Demain, ça va être de la folie dans les rues de Montpellier pour célébrer ce trophée. Ce club, on pense aussi ce soir évidemment à 2 joueurs qui ont marqué l'histoire de ce club, François Tranduc et Picavol, qui se sont arrêtés la semaine dernière en demi-finale du championnat avec l'Union d'Orléans et qui ont longtemps aussi espéré pouvoir grandir. Ils ont été formés au Pic Saint-Loup avec Fulgence Souedra au bout. 18 ans, après 340 matchs et qui touche ce bouclier de la petite analyse. Moi je sais pas, je trouve que c'était une soirée parfaite, le temps était parfait. À la victoire de Toulouse, c'est incroyable. Et pour la suite du coup. Bon, peut-être. Alors, en plus, ça tombe sur moi. Si tu me demandes ça, déjà que j'ai eu de mauvaises invitations. Là, c'est pas moi qui l'ai dit. C'est notre manager qui l'a dit. Philippe Saint-André, il a dit si on gagne, c'est une semaine sur le toit. Donc, c'est sûr que. Oh.
Quand tu danses, tu danses avec.